Le président Emmanuel Macron a rendu un hommage national aux victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre en Israël. Cet hommage intervient 4 mois, jour pour jour, après l'assaut. Quelques minutes plus tôt, à son arrivée aux Invalides, le député Émeric Caron a été hué. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre. Ce n'est pas le lieu de déclencher des polémiques, de demander des explications, a-t-il déclaré. Et il a ajouté, en ce qui me concerne, j'invite toutes celles et ceux qui considéreraient que je n'ai pas ma place ici à réentendre ce que j'ai pu déclarer depuis le 7 octobre. Pour les familles de victimes, la présence de plusieurs responsables de la France insoumise est incompréhensible, voire inacceptable, car la direction du parti de la gauche radicale avait refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.